Ce soir, pour cette troisième édition des Jeux sans frontières 1982, nous nous retrouvons au cœur de Paris, en route vers les Jeux. Laissons la maison de la radio, saluons la réplique de la Statue de la Liberté qui nous vint d'Amérique comme la Grande leur vint de France, et comme sous le pont Mirabeau et ses statues de bronze coule la Seine, laissons-nous glisser le long de l'industrieuse et verdoyante Boulogne jusqu'au pont d'Issy-les-Moulineaux et l'île Saint-Germain qui nous accueille ce soir. L'île Saint-Germain qui inspira Renoir et qui, avec ses arbres et ses pelouses, contraste harmonieusement avec le reste d'Issy-les-Moulineaux, cité industrielle, berceau de l'aviation où, en 1908, Henri Farman réalisa le premier kilomètre en circuit fermé. L'aviation réclamant aujourd'hui des champs d'envol plus vastes, Issy-les-Moulineaux accueille les hélicoptères sur l'héliport de Paris-Issy. En attendant d'être jumelé avec Hounslow, près de l'aéroport de Londres, tradition oblige, on accueille les Horse Guards. Déjà jumelé avec Weiden en Allemagne fédérale, avec Framery en Belgique et avec Macerata en Italie, Issy-les-Moulineaux retrouve ses amis pour sa grande fête de l'Europe. Des grognards de l'Empire au comte de Perrault, tout le monde y trouve son bonheur. Et pour la musique, rien de tel que l'orchestre des amis bavarois de Weiden, avec qui on est jumelé depuis plus de 25 ans. À moins que vous ne préfériez les danseurs de Macerata, à moins encore que vous ne restiez avec nous ce soir à Issy-les-Moulineaux pour les Jeux sans frontières. Comme vous venez de le voir et de l'entendre, nous sommes à Issy-les-Moulineaux, berceau de l'aviation, aux portes de Paris, sur les bords de la Seine. Et c'est dans cette île Saint-Germain que vont se dérouler ces troisièmes Jeux sans frontières, enfin la troisième édition de ces Jeux sans frontières 1982, qui sera le dernier millésime de cette longue série. Alors, dans ce pays qui est un peu le berceau de l'aviation, comme on l'a dit, et qui est également un des premiers des héliports de France et même d'Europe, il était tout naturel que le thème des Jeux soit le transport, les transports. Et le premier des transports auxquels nous allons assister est un transport en commun, je devrais dire un transport d'amitié, puisqu'il va nous permettre d'accueillir, et nous allons les applaudir grâce au public que je voudrais d'ailleurs voir manifester, cher public d'Issy-les-Moulineaux, allons-y. C'est avec cet enthousiasme que nous allons accueillir successivement les sept villes déléguées par les sept pays qui participent ce soir à cette rencontre. Tout d'abord la Belgique, représentée par la ville de Spa, célèbre pour ses eaux minérales et son festival de la chanson francophone. La Suisse, représentée par Roman Sorn, petite cité de détente et de gastronomie au bord du lac de Constance. La Grande-Bretagne, Christchurch, cité historique au bord de la Manche. L'Italie, représentée par l'Anuvio, importante ville touristique de la région de Rome. Le Portugal, qui nous a envoyé les représentants d'Algarve, région historique appréciée pour l'aménité de son climat, la beauté de son paysage. C'est normal d'ailleurs. Tout est beau au Portugal, la Yougoslavie, Tchatcha, un drôle de nom, mais une très sympathique cité agricole et industrielle à 50 km de Belgrade. Et enfin, nous les avons présentés, inutile d'en dire plus, Issy-les-Moulineaux. Et maintenant, pour arbitrer cette rencontre, mon Dieu, ça fait 18 ans, comment c'est habitué leur visage, deux arbitres, deux acolytes, deux complices, deux inséparables. Eh bien, nous avons réalisé ce soir un tour de force. Nous les avons séparés. Bonsoir, Guido. Nous les avons séparés et ne croyez pas qu'il s'agit d'une scène de ménage, ni non plus d'une rupture. Non, simplement pour les besoins du terrain qui est immense ici. Oui, en tout cas, après 18 ans, ça fait du bien, une petite séparation. Est-ce que, Guido, vous seriez tenté de me confier que vous en avez commencé à en avoir assez? Non, pas du tout, mais une petite séparation, en fait. Oui. Toujours du bien. D'ailleurs, je vous vois toujours en forme et j'ai l'impression que pour vous avoir séparés, nous ne sommes pas moins heureux de vous retrouver, puisque l'autre partie de ce duo célèbre est au bras de Simone Garnier. Gennaro, Simone, bonsoir, à vous. Bonsoir, Guy. Oui, nous ne sommes séparés que pour un instant. C'est ça, pour nous, la conception du changement. Par contre, la bonne humeur, Guy, elle est toujours constante à Jeux sans frontières. Et tout de suite, avec le premier jeu, vous allez voir que c'est la bonne humeur qui commence ce programme. Nous allons être grand siècle. N'oublions pas que Versailles est tout près et que la chaise à porteurs fut le moyen de transport favori des belles du XVIIe siècle. Alors nous allons avoir des marquises bien en chair, bien pomponnées, qui feront un voyage mouvementé. Nous leur souhaitons seulement que leur rondeur amortisse quelque peu les brutalités du transport. Pour ce premier jeu qui va se dérouler en six manches, une avalanche de jokers. Le Portugal, la région de l'Algarve. Et alors il y a également la Grande-Bretagne, Christchurch. Good luck. Thank you. Et ça, qu'est-ce que c'est?
C'est l'église de Christchurch. Ah, c'est l'église de Christchurch. Et saumon. Et le saumon, et le saumon. Voilà l'église et le saumon, les curiosités de Christchurch. Alors, tout de suite, merci, donc, deux jokers, Algarve, Christchurch, et la marquise de Belgique, pour commencer, la marquise de Spa. Attention au départ. Attention, mademoiselle. La marquise doit résister au vertige, n'y réussissant pas toujours, s'engouffre dans sa chaise à porteur et deux laquais solides ayant empoigné la chaise vont prendre la route de Versailles. Oh ! Il s'agit évidemment, il faut que l'avant et l'arrière soient bien synchronisés. Ah oui, 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 là ça... Je vous assure que le plateau est glissant, Simon. Ah, vous savez, les routes au grand siècle, c'était pas toujours ça. Quelques obstacles, bien sûr, pour pimenter, donner quelques émotions à la belle dame. Et pour terminer, nos laquais entraînent énergiquement la voiture au lavage, la marquise y comprise. Dans quel état sortira-t-elle? Il s'agit de poser naturellement la chaise à l'arrivée. La durée du voyage? Alors, voici déjà le temps pour la Belgique. Nous avons 54 secondes pour ce voyage agréable. Alors, Spa, ville des eaux, 54 secondes. La Suisse maintenant, au départ, c'est-à-dire une marquise de Romanshorn. Achtung. Achtung, Fräulein. Part toujours au même endroit du plateau que tous les concurrentes, toutes les marquises, le même trajet exactement. On s'aperçoit tout de même que les laquais suisses, les valets, la garde suisse à Versailles étaient fort prisés. Ceux-ci ont le jarret vigoureux, la méthode. Ils sont très bien. Oui, oui. Très solide, très solide. La marquise a un petit air penché. La marquise essaye de se tenir comme elle peut, arc-boutée à l'intérieur de sa chaise. Ça, c'est le moment un peu pénible. Oh, tout ne va pas pour le mieux, marquise. Résistez, marquise. Oh, elle a gardé beaucoup de dignité, je trouve. Alors, voici un air de grandeur, oui. Nous avons le temps pour la Suisse, 47 secondes. Attention. Elle s'appelle Francine Tell, notre marquise. On va l'appeler Madame de maintenant. Elle est dirigée, avec presque agressivité, par des laquais qui s'appellent François Fouette et Michel Dubos. Ils sont très rapides. Elle a perdu la roue arrière. Oui. Enfin, le concurrent a passé correctement par-dessus les deux obstacles, les deux concurrents. Vite, vite, mes amis, en hauteur, François Pouette, Michel Dubost, Francine, 40 secondes. C'est Lady de Christchurch. Attention. La Lady se dit qu'il faut faire mieux que 40 secondes. Elle a été fort prompte. Ces laquais ne sont peut-être pas très sûrs. Ils réfléchissent un peu. Non, non, non! Back over the podium, I deeply regret. Je regrette, mais il faut passer entièrement le podium. Ça, c'est évident. Ah, il faut que la roue arrière passe également. Oui, absolument. Lady, vous avez perdu quelques temps, quelques secondes précieuses. Peut-être allez-vous perdre l'équilibre? Non? Non. Station de lavage. Ah, le laquais, alors il a carrément abandonné la marquise. La marquise coincée. Non. Grande-Bretagne, 54 secondes, c'est-à-dire le même temps que la Belgique. Une autre belle dame nous attend. Elle vient de Lanuvio. Attenzione. Elle vient de Lanuvio. Elle va rejoindre son palais romain. Elle s'est engouffrée. Les laquais se précipitent.
Le terrain est glissant quand on quitte les jardins de le nôtre. Le sol n'est pas sûr. Le marquis avant a un air très sérieux. Et le marquis arrière un air assis. Oh, mais ça n'est pas mal. Ah oui, ils vont très vite. Oh là là, 35 secondes. Oui, c'est très bien. Ah, là, il faut évidemment hisser madame la marquise. Tout va très bien. Tout va à peu près bien. Oh, il me semble que ça n'est pas mal pour la Nouvio. 44 secondes, mais la France n'est pas battue. La France n'est pas... Il faut dire tout de même que les 6 manches ne sont pas finies. Il y a encore le Portugal qui a joué son joker. Attention. 13, 12, 11. Oui, et le Portugal a joué son joker. Vous avez vu que les Anglais n'ont pas été chanceux pour ce joker, mais le Portugal va peut-être nous surprendre. Ah, il semble là que l'arrière... Non, Portugal, once more. Ça, c'est très bien. Voilà. Ah, il faut boire la coupe jusqu'à la lit. Oh, vous avez vu ses enjambées? Mais là, c'est valable, ça. Oui, là, c'est valable parce qu'il a passé à genoux. Il était un peu à plat sur l'arrière, mais ça n'a pas d'importance. Il a passé à genoux, non, c'est tout à fait valable. Alors, l'Algarve... Oh, l'Algarve a franchi la station de lavage. Une marquise heureuse. Oui, c'est une marquise qui peut être heureuse. Elle a égalé le temps de l'équipe française, c'est-à-dire 40 secondes. Bravo! Alors, voici les points, Simone, pour le Portugal. 6 points plus 6 points pour le joker vainqueur. Alors, l'Algarve, ça leur fera 12 points. Pour la France, 6 points ex aequo, mais sans joker. Ici, les Moulineaux, 6. Ensuite, pour l'Italie, 4 points. La Nouvio, 4. Pour la Suisse, 3 points. Romanshorn, 3. Pour la Belgique, 2 points. Spa, 2. Et la Grande-Bretagne est ex aequo, 2 points. Et malheureusement, rien pour le joker. Christchurch, 2 points également. C'est le premier score. Sans perdre une seconde, rejoignons Guy pour le premier fil rouge record et pour une grande épopée cycliste. Il faut quand même reconnaître, mon cher Guido, que les temps ont changé. On a quand même peu d'égards pour les marquises. Ah oui, oui. Maintenant, on commence avec les bicyclettes. Cela dit, si on a peu d'égards pour les marquises, on en aura guère plus pour les petites reines. Vous savez, c'est le nom communément donné au vélo. Or, les petites reines feront justement l'objet, 4 fois au cours de cette rencontre, du fil rouge. 3, 2, 1. Les 7 pays, les 7 nations participent, bien sûr, puisque c'est le fil rouge. Il s'agit d'aller tout d'abord auprès d'une belle et galante amie, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas du Yougoslave, qui n'est pas galant, qui a renversé immédiatement sa petite équipière. C'est d'aller chercher sa musette. Vous savez que c'est tout à fait normal dans les courses cyclistes, on va chercher sa musette. Au sommet de la première remontée, 4 équipes sont à peu près ensemble. Néanmoins, la Suisse a pris, on peut dire, quelques longueurs d'avance, mais il donne des signes de lassitude. Il a son bras gauche qui pend lamentablement sur la route. Et on le coiffe, c'est le deuxième passage au contrôle de ravitaillement d'une casquette. Et c'est la dernière remontée. Le Suisse sera sûrement gagnant de ce premier fil rouge dans un temps remarquable. J'ai l'impression que la Grande-Bretagne ne sera pas loin. La France arrive en même temps que la Belgique et la Yougoslavie. Et regardez, et je demande aux caméras de notre ami Roger Benamou de venir voir la désolation de l'équipe portugaise. Le coureur est crevé, la petite ne l'est pas, mais elle va bientôt le crever de désespoir. Elle ne lui a pas mis son couvre-chef, il va s'enrhumer. Il est... Oh, alors certainement que dans sa musette, il devait y avoir autre chose que de l'eau minérale de Spa. Parce qu'il donne visiblement des signes de gauche et de droite très inquiétants. Mais non, oh non, il n'y a pas de doute, c'est un homme qui a une grosse tête. Il a la tête qui l'emporte sur le corps. Oh là là, c'est terrible, ces derniers centimètres, mon Dieu. Et on a l'impression que le Portugal devra faire beaucoup mieux dans les prochaines rencontres. Alors, on a pour la Suisse 43 secondes. Ah, pour Romanshorn, 43 secondes. Pour la Grande-Bretagne, 46 secondes. Christchurch, 46. Pour la France, 47 secondes. Ici, les Moulineaux, 47. On doit faire beaucoup mieux avec les coureurs que nous avons. Mais il y a la Belgique ex aequo aussi avec 47. Oh, alors,
le pays des grands coureurs. Alors là, il n'y a pas de problème, des Van Steenbergen et autres, il n'y a pas de problème, ça fera mieux également. 47 secondes pour Spa. La Yougoslavie, 48. Tchatchak, 48. Italie, 58. Ah, le pays de Moser qui a fait vraiment une contre-performance. Et enfin, alors là, c'est la grande surprise. Alors le Portugal, 1 minute 31 secondes. Eh bien, dites donc, Algarve, 38, 40, 38 secondes, 31 secondes. Ça sera un record difficile. Ah non, 1 31. Oui, oui, bien sûr, 1 31. C'était le pays qui s'était affaissé lamentablement. Hein. Voilà. Alors attention, nous retournons, je l'ai dit au début, enfin au milieu du 19e. Pour une course de Draisienne. Deux étapes dans cette course, la course des élégantes et plus tard la course des dandies. Alors les élégantes, regardez, elles ont déjà retroussé leurs jupes, ce qui permet d'ailleurs à tous les amateurs de jolies chairs et de début de cuisse d'admirer un petit peu l'anatomie de nos concurrentes. Elles vont avoir à franchir des obstacles et le carrousel, mais n'épiloguons pas d'avance sur ce qui va se passer. L'essentiel, c'est de bien se placer, car je crois qu'il est important de rappeler, mais nous le rappellerons peut-être entre les deux épreuves, que c'est au total des places obtenues par les deux équipes que se calculera le classement général final. Nous serons tout à l'heure dans les conditions idéales pour mieux l'expliquer. Attention au départ, 6 nations. Attention, 3, 2, 1. L'Italie, la Yougoslavie, le Portugal, la Grande-Bretagne, la Suisse et la France. Ici les Moulineaux qui est en deuxième position mais qui s'est fait jeter à l'extérieur. Alors que la Yougoslavie a très bien fait son jeu. La France est à terre, le Portugal lui tombe dessus. Regardez avec leur visière qui leur tombe sur le nez et les vélos qui leur tombent sur les fesses, ce qui se passe à l'entrée du carrousel. Ça n'est pas très important de savoir que la Yougoslavie a nettement gagné, que la France était non pas dans sa roue, mais à une bonne dizaine de draisiennes derrière. Ce qui est important de savoir, c'est ce que fait maintenant l'Italie, qui n'en peut plus, et qui a une fois pour toutes considéré, comme un vieux proverbe arabe le dit, qu'on est beaucoup mieux couché qu'assis. Et quelquefois, on est mieux assis que debout. Alors maintenant, c'est le Portugal qui aurait pu être troisième, mais qui s'est planté dans l'obstacle. Attention, pour le Portugal, pour la Yougoslavie. La Yougoslavie, première place. Tchatchak est première. La France est deuxième. Ici, les Moulineaux est deuxième de cette première manche. Attention, c'est une compétition de manches. Ne vous enthousiasmez pas trop, public, et trop vite, public, d'ici, les Moulineaux. La Grande-Bretagne est troisième. Christchurch, troisième. Le Portugal est quatrième. Algarve, quatrième. La Suisse est ex-aequo, quatrième. Roman Sorn, quatrième. Et l'Italie est sixième. Et nos amis de la Nouvio sont sixième, alors que déjà, les dandies sont en place. Attention, on peut donner le départ. Attention, 3, 2, 1. Et le plateau tourne beaucoup plus vite. Alors, remarque importante, le plateau était accéléré, donc le franchissement de ce plateau est plus difficile. Alors maintenant, vous savez ce qui se passe, regardez. Mais les hommes sont quand même très doués. Oh, chute de la Grande-Bretagne, chute du Portugal, chute de la France. Quant à la chute de celui qui est sur le plateau, l'Italien, l'Italie qui n'a vraiment pas de chance et qui est reparti pour un tour supplémentaire, n'en parlons pas. Oh là là, quelle arrivée foudroyante entre la Yougoslavie qui s'était déjà placée première, je le rappelle, pour la première manche et la Suisse. Le Portugal est troisième, la France quatrième, la Grande-Bretagne cinquième. Et l'Italie qui a décidé une fois pour toutes d'être sixième, tant à la première manche qu'à la deuxième dans cette épreuve, fidèle à sa conduite. Alors on est certain que 6 plus 6, c'est-à-dire 2 fois 6, 2, sort, ça fera 12, mais ça permet quand même d'écouter, d'expliquer à nos amis que 2 places de 6e, ça fait 12 points. Donc aucune chance d'être premier. Alors, voici les résultats. La Suisse en première place. Roman Sorn est donc première. La Yougoslavie en deuxième place. Tchatchak ayant été premier et deuxième à la deuxième épreuve, voyez un petit peu vers quelle victoire il s'achemine. Le Portugal est troisième. Algarve est troisième. La France est quatrième. Petite contre-performance de nos Résiens d'ici les Mouneaux qui ne sont que quatrième. La Grande-Bretagne est cinquième. Christchurch cinquième. Et l'Italie est sixième. Voici le total des points. Pour l'Italie, 12 des places donc. Oui. 12 places. 12 places, c'est-à-dire 6 plus 6, 12. Pour la France, 6 places. 6 places, 4 et 2, 6. Pour la Yougoslavie, 3 places. 1 et 2, 3, ça c'est très bon. Pour le Portugal, 7 places. 4 et 3, 7. Pour la Grande-Bretagne, 8 places. 5 et 3, 8. Et pour la Suisse, 5 places. 4 et 1, 5. Alors maintenant, quel est le plus petit total qui va donner la première place et quel est le plus gros qui va donner la dernière? C'est ce que nous allons savoir. Alors, voici pour la Yougoslavie, 6 points. 6 points pour Tchatchak. Pour la Suisse, 5 points.
Pour Romanson, 5. Pour la France, 4 points. Ici, les Moulineaux, 4. Pour le Portugal, 3 points. Algarve, 3. Pour la Grande-Bretagne, 2 points. Christchurch, 2. Et pour l'Italie, 1 point. Et pour l'Anuvio, 1 point. Eh bien, après cette deuxième épreuve, on laisse de côté, bien sûr, le fil rouge, dont la comptabilité ne se fera qu'à la fin de l'émission. Eh bien, après deux épreuves, vous pouvez vous apercevoir que Algarve, qui a joué, c'est-à-dire le Portugal, qui a joué son joker, est nettement en tête. Mais ici, les Moulinello n'a pas joué, n'a pas jeté son joker sur le tapis vert et est en deuxième position. C'est très favorable. Les autres places, vous les avez sous les yeux. Alors que déjà, nous nous acheminons vers une autre épopée des transports, celle de l'Ouest avec Simone Garnier et l'Indien Guido. Oui, mais regardez Guido, c'est du cinéma tout ça. Nous sommes tout près des studios de Boulogne, c'est vrai. Alors nous allons pénétrer dans un studio où on tourne justement une nouvelle version de la Chevauchée Fantastique. La légendaire diligence sera attaquée par les Indiens au nombre de 2 postés dans les rochers qui doivent faire tomber les chapeaux des voyageurs. Une jeune fille, une jeune machiniste, debout à l'arrière de la voiture, va secouer la diligence pour aider à faire tomber ses chapeaux. Mais il se passe beaucoup de choses dans un studio de cinéma. Et un adversaire, un machiniste, lui, tourne une manivelle pour déplacer le décor et faire en sorte que la diligence paraisse se déplacer. Alors, le temps que le décor fasse un tour complet, ça nous servira de chronomètre. Les Indiens, au bout d'un tour complet du décor, n'ont plus le droit de tirer les flèches. Exact. Alors, on commence avec le cinéma. Alors, on commence avec le cinéma. Ce sont les Portugais qui jouent, les Indiens portugais et la jeune fille. Attention, 3, 2, et où ? L'adversaire, la Belgique, qui va évidemment tourner très très vite le décor, car au plus on tourne vite, au moins on a le temps. Il n'y a plus de chapeau. C'est extraordinaire, ça s'est fait en combien de temps? Alors stupéfaction, je ne sais pas quels étaient ces Indiens, flèches imparables, foudre de guerre, je ne sais pas. Alors là, vraiment, c'était très, très vite. C'était pas les flèches, mais disons, la demoiselle qui a travaillé bien. Pour le Portugal, 8 secondes. Oui, les flèches n'y étaient pour rien, finalement. Les Indiens n'ont pas tellement joué, là. Attention. 3, 2, 1. Les Indiens. Féroces, ces Indiens. Nous allons voir s'ils... Déjà, un chapeau en moins. Là, c'était bien un Indien qui l'a fléché, celui-là. Alors, le temps pour abattre 3 chapeaux, ou alors le nombre de chapeaux, tandis que... 2 chapeaux, déjà. Tandis que tourne le décor, Moulinos City apparaît dans le 3. Avant que le machiniste ait pu faire un tour complet au décor, les Indiens avaient réussi. Voilà. On a un temps un peu moins bon. Pour la Belgique, 22 secondes. Alors, à Spa, 22 secondes. C'est au tour maintenant des Indiens français qui s'appellent dans la vie Juan Garcia et Jacques Levasseur. Bison futé et œil de lynx. Attention pour la France. 3, 2, 1. L'adversaire de la France étant la Grande-Bretagne. Alors, si vous voulez vous distinguer, ici les Moulinos, il faut faire mieux que 8 secondes. Le temps éclair qu'a mis l'équipe portugaise pour abattre les 3 chapeaux. Ah ben c'est fichu, je dois vous dire. Pour le moment, vous ne ferez pas mieux que les Portugais. Vous ne ferez pas mieux non plus que les Belges. Un chapeau. Ah, le chapeau a tremblé, mais il n'est pas tombé. 2 chapeaux. Moulinos City arrive en fin de décor. 2 chapeaux pour la France. Nos Indiens étaient peut-être un peu fatigués. Pas de chance pour la France, 2 chapeaux seulement. 2 chapeaux seulement, on ne compte pas le temps puisque c'était le temps du décor. On remet les chapeaux en place et ce sont les Indiens anglais de Christchurch, au bord de la Manche, à côté de Southampton, qui prennent position. Attention, 3, 2, 1. Les Italiens sont très forts pour les western spaghetti. Alors comme là nous avons affaire à un film de ce genre, est-ce que le machiniste va contrarier les sombres dessins des Indiens anglais? Peut-être. Pour l'instant toujours 3 chapeaux dans la diligence.
La petite Anglaise trépigne, trépigne de rage. Elle est très mignonne, cette petite Anglaise. Un chapeau pour le moment, mais ce sont les Indiens qui l'ont tiré, celui-là. Non, c'est la jeune fille qui a fait tomber. Ah, en fait, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Ils font partie de la même équipe. Là, on a un mauvais résultat pour la Grande-Bretagne. Seulement un chapeau. Un chapeau. Alors, autour maintenant des Indiens de Lanuvio, avec de superbes plumes bleues, la demoiselle de Lanuvio aussi, et la Yougoslavie pour manipuler le décor. Attenzione. 3, 2, 1. Alors, je ne sais pas pourquoi les Indiens en veulent tellement à ces chapeaux. Ils doivent vouloir se rendre compte si les scalps en valent la peine. Ah, oh, 2 chapeaux, 3 chapeaux. Fantastique. Alors, on a un beau temps pour l'Italie. 10 secondes. 10 secondes, moins bien que le Portugal, mais très bien quand même. Dernière manche maintenant, Molinos City étant bien à sa place. Le Portugal comme adversaire et des Indiens de Tchatchak. Patient, 3, 2, et dans. Ah, les Indiens n'ont pas perdu une seconde, il y a déjà 2 chapeaux de tombés. Alors un chapeau avec une flèche, un chapeau avec la jeune fille. 2 chapeaux. Le troisième. Oui, le troisième, on sentait qu'il n'allait pas tarder à choir. La Yougoslavie, un temps de 13 secondes. Un temps de 13 secondes pour la Yougoslavie. Alors, grand chef invincible. Ma petite Simone, j'ai vu une flèche, alors je l'ai suivie. Ça m'a amené jusqu'à vous pour connaître les résultats. En tout cas, c'était la première équipe qui a joué qui emporte 6 points. C'est le Portugal, 6 points. Alors, Algarve a 6 points. Italie, 5 points. Eh bien, c'est pas mal pour nos amis de la Lanuvio, ils en avaient besoin. La Yougoslavie, 4 points. Tchak augmente son capital de 4. La Belgique, 3 points. Spa, 3. La France, 2 points. Nos amis de ici, les Moulins ne marquent que 2 points et ceux de Christchurch, la Grande-Bretagne, 1 point. Alors attention, le Jacques Godet de l'époque, 3, 2, 1. Vous connaissez les drames et les tragédies qui guettent nos champions. Ils sont superbes, toujours moustachus. Ils prennent leur petite musette de ravitaillement. La France performe en tête, talonnée par la Suisse. Il s'agit de faire demi-tour, de redescendre, tandis que l'Italie a sombré. L'Italie a sombré, la Lanuvio. La France, la Belgique en 2, me semble-t-il. La France repart avec une avance colossale. La petite Italienne a remonté son champion. Le deuxième à gravir le galibier, c'est, je pense que c'était la Yougoslavie. La Yougoslavie, la Belgique, la Grande-Bretagne. Vous voyez le Portugal qui s'envole. Ah ! Mais qui malheureusement a chu sur la piste voisine. Les bras lui en tombent. Il essaye tout de même de ramener. Oh, regardez, il est héroïque. Il ramène tout de même son vélo. Il n'y a que l'Italien qui n'a pas terminé. Alors voilà un résultat qui va faire plaisir à notre public. Pour la France, 41 secondes. Ici, les Moulinos, 41. Pour la Grande-Bretagne, 47 secondes. Ah, c'est moins bien pour Christchurch, qui reste à 46. La Yougoslavie ex aequo, 47 secondes. 47 secondes, il gagne une seconde tout de même. Pour la Belgique, 48 secondes. Pour la Belgique, 48, c'est moins bien. Pour la Suisse, 54 secondes. C'est moins bien aussi. Pour le Portugal, 1,09. Ah, ça s'améliore. 1,09 pour le Portugal et l'Italie. Temps maximum. Temps maximum. Mais ils avaient déjà une photocopie extraordinaire qui avait fait 58 secondes. Eh bien, tout de suite, nous allons rejoindre Guy pour le jeu suivant. Un jeu qui sera couru par la plus noble conquête de l'homme. Ah oui, en effet, Simone, cela dit, je ne sais plus très bien où je suis. Suis-je à Epson, à Longchamp, à Auteuil, ou carrément dans le Grand Ouest, ou dans le Maquis, je ne sais plus très bien. La végétation ici est assez déroutante. Et alors, en plus, il pousse, alors il y a, d'une manière absolument exceptionnelle, il pousse des jokers. Jamais je n'en ai vu autant. Alors, nous avons en effet 3 jokers sur ce jeu, qui paraît-il met en scène la plus grande... Oh ! Même un quatrième nous arrive.
c'est vous dire si ce jeu va être chaudement disputé. Alors nous allons passer la revue, c'est dommage que nous n'ayons pas de tambour ni de trompette, la revue des jokers. Premier à se présenter, Lanuvio. Bonjour Lanuvio, garde à vous. Alors, je vous souhaite bonne chance Lanuvio. Malheureusement, ça va être difficile que vous gagniez la première place sous les quatre. Hein. Alors c'est quand même un mauvais choix que vous avez fait. Là, je ne sais pas si je vais serrer la main, si vous le permettez. Ah, vous ne vouliez pas, mais je vous embrasse. Vous êtes ravissantes toutes les deux. Pourquoi êtes-vous venus à deux présenter le joker? Parce que le capitaine n'est pas là. Parce que le capitaine n'est pas là. Eh bien, écoutez, je ne regrette pas son absence. Hein. Alors vous jouez donc pour Spa un joker. Et ce charmant petit bambin, c'est notre mascotte. Voilà, je préférerais que ce soit vous la mascotte. Alors maintenant, la Yougoslavie tchatchak. C'est pas le moment de faire la couloche, hein. C'est pas le moment de faire la bonne nuit, là. Il faut bien se réveiller. Bonne chance à nos amis tchatchak. Et enfin, eh bien, good luck à nos amis de Christchurch. Voilà, oh, il est joli. Ah non, Suisse, pardon. Vous pouvez nous quitter. Cela dit, je dois vous rappeler que nous allons tout de suite donner le départ, puisque ces quatre jokers nous ont un petit peu retardés. Nous allons donner le départ. Vous allez tout de suite comprendre ce qui va se passer. Je sors mes jumelles, mon nounours aussi, Guido également. Attention, 3, 2, 1. 2% prennent le départ. C'est les Poney Express. Ils ont à porter des lettres jusqu'au cactus. Ils doivent franchir à la fois deux tapis roulants, deux rouleaux, et un rouleau en montant, un rouleau en descendant, et ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés près du cactus que la cavalière, vous venez de le voir, a le droit d'enfourcher sa monture, de déposer la lettre sur le cactus, et le contrat est d'en remplir deux. Ça a l'air de se passer alors vraiment sans aucun problème pour l'équipe suisse. L'équipe de la Grande-Bretagne ne souffre pas trop, elle a passé le premier rouleau montant sans problème, elle va passer le rouleau descendant de la même manière, c'est véritablement un record. Et je vous rappelle que ces deux équipes qui avaient très confiance dans leur cavalière et dans leur coursier, dans leur fringant pur sang, avaient joué toutes les deux, ces deux équipes, leur joker. Rien d'étonnant à ce que leur performance soit étonnamment brillante. Cela dit, il y en a quand même une qui est passée devant l'autre. Donc par conséquent, quels que soient les résultats des autres manches, puisqu'il y en a trois, il y aura forcément déjà une équipe qui ne sera que seconde. Exactement. Alors on a la Grande-Bretagne 47 secondes. Alors Christchurch 47. Et la Suisse à 32 secondes. Mais l'enveloppe, elle est tombée après l'arrivée. Ça veut dire qu'elle a accroché et puis en deuxième moment, c'est accroché. Alors le juge a donné le temps de 32 secondes à la Suisse. Soyez clair, mon cher Guido, retirez-moi toute angoisse pour l'équipe suisse. C'est bien à 32 secondes que c'est cet arrêt. Attention. 3, 2, 1. La Yougoslavie a également joué son joker. La Belgique l'avait joué également, mais la Belgique est tombée à genoux. Ce n'était peut-être qu'une prière pour faire mieux, mais malheureusement, oh là là, les quatre pattes par terre. La petite jeune fille dessus, ça va de plus en plus vite. Malheureusement, il y a un bout du cactus qui est tombé. La petite cavalière yougoslave est en tête, son cheval également, ce qui prouve que de toute façon, ils ne se sont pas séparés. Cette manière plus orthodoxe de franchir le rouleau qui monte. Ça va une vitesse incroyable. Je vous disais qu'on répétait ça, j'avais mis en main le double ou le triple du temps. Vous ne seriez pas surpris de l'extraordinaire virtuosité de nos candidats qui ne savent que faire. Chute de la Yougoslavie, mais sans importance. La petite Yougoslave est tombée trois fois. Mais je crois qu'elle est tombée trois fois de joie et d'émotion. Car je ne sais pas quel est le temps, c'est là le suspense. Est-ce que le temps de la Yougoslavie aura battu celui de la Grande-Bretagne ou de la Suisse? Ah, c'est toute la question. Alors, la Belgique, 45 secondes. Belgique, 45 secondes. Et Yougoslavie, 36. Et Yougoslavie, 36. Vous rendez compte les temps. La Yougoslavie qui avait également joué son joker. D'ailleurs, les quatre pays qui viennent de passer étaient les quatre qui avaient joué toutes les quatre équipes, leur joker. Grande-Bretagne. L'Italie encore à jouer. Alors, pour cette dernière manche, au départ, un cheval qui nous vient du Portugal et un autre qui nous vient de Lanuvio, c'est-à-dire d'Italie. Attention, 3, 2, 1. Vous avez vu que les cavalières attendent leur poney, leur pur sang, sommet de la montée. Grosse difficulté du Portugal qui a décidé de se mettre complètement dans une position la plus inconfortable que nous n'ayons jamais vue pour un cheval. Il a le train arrière vers la tour Eiffel, les pattes avant sur le tapis roulant.
et la demoiselle lui tient l'encolure, affectueusement d'ailleurs, les Indiens qui sont des Indiens de secours, qui est quand même... Ah non, le Portugal connaîtra tous les ennuis, l'Italie également de son côté. C'est une manche très mouvementée, il n'y a qu'une enveloppe de déposée par le Portugal. L'Italie est par terre également, on peut dire que ses chevaux sont complètement foudroyés par l'émotion. Regardez si la petite Italienne s'est complètement arc-boutée, son cheval s'est baissé, a baissé l'échine pour arriver à tendre l'échine à sa cavalière. Quant à notre ami le Portugais, complètement déchaussé, les sabots à l'envers, la croupe sur le rouleau et sur l'échine sa cavalière, eh bien, nous aura procuré des émotions pour le moins assez réconfortantes. Alors, Portugal, 1 minute 03. Algarve, 1-3. Et l'Italie, 46 secondes. Et pour l'Anuvio, 46. Alors, les comptes maintenant, les comptes, parce qu'attention, il y avait une avalanche de jokers, et voilà qui va complètement bouleverser le classement général. Alors, on a pour la Suisse 6 points plus 6 points jokers. Alors, nous avons 12 points, quelle belle affaire pour Romain Sorg. Bravo, bravo. En seconde, c'est la Yougoslavie, 5 points plus 4 points plus jokers. Tchatchak fait une très bonne opération également, marquant 9 points. La Belgique, ça fait 4 points plus 2 points pour le joker. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on va vers les places et qu'on s'éloigne de la première, les rentabilités du joker ne sont pas les mêmes. Italie, 3 points et rien plus. Aïe, 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 la Nouvio, quelle mauvaise performance. Grande-Bretagne, 2 points. Pour Christchurch, 2 points. Et Portugal, 1 point. Nous nous sommes dit quelques petites choses dans l'oreille avec mon ami Guido pour rectifier des erreurs de date. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des bouleversements considérables au classement général. Eh bien, regardez. Le Portugal, qui a joué son joker, est en tête avec 22, devant la Suisse, Romanson, 20. Tchatchak, 19. Et a joué son joker est 3e. L'Anuvio, qui a joué son joker, est 4e. Puis ici, les Moulineaux n'est que 5e avec 12. Mais attention, ici, les Moulineaux a gardé sagement son joker. Donc on peut quand même encore attendre de notre équipe locale un renversement de situation absolument sensationnel. Rien n'est joué, et c'est tout à fait naturel. Surtout lorsque maintenant nous allons assister à une course de voitures, tout à fait dans la tradition des Jeux sans frontières. Je garde mon nounours pour assister à ça. Simone, nous sommes deux à boire vos paroles. Évidemment, il y aura beaucoup moins de suspense après ce jeu parce que le joker en question, le joker d'ici les Moulineaux, est joué pour ce jeu numéro 5. On va être fixé dans quelques minutes maintenant. Oui, toutes les équipes vont participer. C'est un jeu en une seule manche. Toutes les équipes, sauf la Grande-Bretagne. Alors nous en arrivons, comme Guy vous l'a dit, à la grande vedette de notre civilisation, l'automobile. Mais le drame avec l'automobile, c'est qu'il faut y mettre de l'essence dedans. Et justement, nous allons connaître avec ce jeu les affres de la panne d'essence. Un couple par voiture devra regagner le plus vite possible la pompe providentielle en s'emparant au passage de deux outils. Alors attention pour le départ, Gennaro. Attention. 3, 2, 1. Départ comme aux 24 heures du Mans. On part, on bondit dans son petit véhicule de ravissante Bugatti. Ici, les Moulineaux étant en tête, mais quand on n'a plus d'essence dans sa voiture, il faut compter sur sa propre énergie. Et évidemment, le garçon pousse la voiture galamment. La jeune fille, il a prié la jeune fille de rester à l'intérieur. On traverse le passage inondé. La Belgique remonte. La Belgique a remonté la France, la Yougoslavie également. Dès qu'on aborde la petite côte, le couple devient solidaire. C'est ça dans les ménages modernes. Et madame pousse la voiture également. Deuxième descente, qui est déjà reprise immédiatement par la Yougoslavie et la Belgique. La France ayant perdu son avantage, je dois dire, pour l'instant. Nous frémissons. Le français, s'il vous plaît, laissez la jeune fille conduire. Encore que ça n'ait pas été précisé formellement, mais laissez la jeune fille conduire. Alors, on a pris la deuxième clé anglaise. On se retrouve dans la même situation en poussant dans la côte. La France est remontée tout de même. C'est toujours la Yougoslavie en tête. La France presque, mais il faut encore redescendre. Ici, les Moulineaux qui reviennent très fort.
navigation, il faut brancher correctement la pompe, il faut déclencher le signal et il faut s'asseoir dans la voiture. Asseoir dans la voiture, monsieur le français. Le français m'a donné des émotions. J'ai cru qu'il allait oublier de se rasseoir dans sa voiture. Et ça, c'était tout simplement dramatique. Eh bien, je pense que ce jeu mouvementé vous a plu. Et au passage, on peut tout de même saluer le travail des costumières et des décorateurs, parce que ces petites Bugatti avec leur couple habillé en 1925, c'était très, très joli. Alors, voici les positions tout d'abord, Simone. La Yougoslavie est première. Ça, c'était très net. Tchac-tchac. La Belgique est deuxième. Ah, oh, Spa, j'avais un doute. La France est troisième. Ici, les Moulinots, troisième. L'Italie est quatrième. Oui. La Suisse ex aequo, quatrième. Quatrième, mon chat. Et le Portugal est sixième. Et l'Algarve, sixième. Alors, ce qui fait les comptes, maintenant, suivant. Pour la Yougoslavie, 6 points. Tchachak, 6. Pour la Belgique, 5 points. Spa, 5. Il y a un circuit automobile là-bas. Pour la France, 4 points plus 2 points pour le joker. 4 et 2, 6 points. Ça n'est pas une très bonne affaire. Pour l'Italie, 3 points. Pour l'Anuvio, 3. Pour la Suisse, 3 points. Romanson, 3 points. Et pour le Portugal, 1 point. Et l'Algarve, 1 point. Eh bien, nous allons immédiatement enchaîner maintenant, tandis que nous regardons la position. Vous avez vu que la Yougoslavie est en tête maintenant avec 25 points. Tous les jokers ont été joués. Donc, premier les Yougoslaves, deuxième les Suisses, ex aequo avec les Portugais. Et ici, les Moulinots à 18. Il faut dire que le joker n'a pas été fameux. Tous nos champions sont déjà en selle. Leurs admiratrices ont prévu le ravitaillement. C'est un ordre, alors on peut partir. Attention, 3, 2, 1. Chacun son champion. La Yougoslavie semble avoir des ailes. Il me semble qu'elle est arrivée la première. Mais nous savons que pour les géants de la route, il y a des drames. On est reparti beaucoup. On perd sa musette, mademoiselle. La portugaise, vite. Rattrapez la musette de votre... Attention, attention. Oui, elle nous a fait peur. Voyez-vous, il y a tellement d'action entre toutes ces équipes. Vous avez vu que... En tête, maintenant, c'est là... Oh, on ne sait pas très bien, entre la Belgique, la France et la Suisse, quel est celui qui a touché le sommet le premier. En tout cas, je vous ai donné le tiercé dans le désordre, peut-être. Nous les avons vus arriver. Haletant. Le Portugal fini. Le Yougoslave qui avait été si brillant, qui avait eu un départ fulgurant. Ma foi, ça s'est beaucoup moins bien passé ensuite. Et l'Italie, consciencieusement, vient chercher sa casquette. Mais je crois qu'il n'aura pas le temps de finir son parcours. Oui, oui, naturellement, ils ont déjà un beau temps à les marches précédentes. On va signaler, Guido, pendant ce temps, que nous entendons un hélicoptère. Ça ne peut pas échapper à nos amis. Alors, c'est non seulement parce que Issy les Moulinots possède un héliport, mais également parce que nous avons vraiment un hélicoptère sur le terrain pour le prochain jeu. Puisqu'on parle de moyens de transport, c'est tout à fait naturel que nous ayons aussi un hélicoptère. Alors, le fil rouge, je vous rappelle tout de même que la précédente performance, c'était la France en tête avec 41 secondes. Et maintenant ? On a la Belgique, 42 secondes. 42 secondes, nous ne sommes pas menacés dans l'immédiat. La Suisse, 43 secondes. La Suisse, 43 secondes, inchangée. Ex aequo avec la France, 43 secondes. Oui, alors la France ne change pas. La Grande-Bretagne, 50. 50, il vaut mieux qu'il reste au score précédent. Portugal, 59. Ah, ça s'améliore doucement. Yougoslavie, 1,06. Oublions-le. Et l'Italie, 1,28. Il vaut mieux rester aux 58 secondes précédentes. On remet donc instantanément à jour notre fil rouge. Vous constatez qu'ici, les Moulinots est toujours en tête. Mais avec une petite seconde d'écart devant la Belgique et une autre seconde devant la Suisse. Tout ça est vraiment dans un mouchoir. Alors, tout de suite, maintenant, nous rejoignons Guy pour un jeu qui illustre parfaitement la devise d'Issy les Moulinots. ABO, Saint-Père,
Aléas, j'ai toujours des ailes. Eh bien, je ne sais pas ce que vous venez de dire, Simone, parce que nous sommes dans notre tour de contrôle ici, complètement à l'abri du bruit, si l'on peut dire. Et il y a une raison à cela, d'ailleurs, c'est que nous sommes à côté d'un hélicoptère. Vous savez que Essy-les-Moulineaux est quand même une station fantastique d'hélicoptères. C'est un des plus grands héliports d'Europe. Et c'est un hélicoptère qui est actuellement en train de tourner aux alentours de 1500 tours. Il va passer à 3000 tours et va justifier ainsi le titre de notre jeu qui s'appelle « Dans le vent ». En effet, regardez cette belle image de nos cadreurs de la SFP. Eh bien, actuellement, cette vision dantesque de ces grandes usines avec cet hélicoptère, c'est bien une vision moderne. Nous avons vraiment le pied dans le 20e siècle maintenant pour vous présenter ce jeu. Ce jeu qui va se dérouler donc avec des candidats qui ont une mission extrêmement simple, c'est de ramener 5 cubes sur leur petit plot de départ, vous les voyez. Mais avec le vent qui se dégage, regardez les petits drapeaux, ça n'est pas simple. Alors, on va vous décrire ce jeu dans le vent en essayant de ne pas nous enrhumer. Oui, nous sommes prêts à partir à la vitesse de 3000 tours. Attention! Non, stop! Faux départ dans le vent, c'est normal, ils ont été poussés par le vent. Attention, 3, 2, 1. Voilà, alors c'est un par un que les partenaires tendent les cubes aux joueurs. Mais le vent se charge évidemment, dès qu'un cube est placé, de l'envoyer, on peut dire, de le retourner à son destinataire, à son point de départ. Or, le jeu sera terminé lorsque réussissant à placer 5 cubes sur le plot de départ, les joueurs pourront se hisser sur cette pyramide ainsi constituée et lever les bras au ciel, sans toucher la pale qui tourne à 3000 tours, sinon il deviendrait manchot. Non, rassurez-vous, nous avons placé les plots de départ en dehors de la zone de tourbillon des pales de l'hélicoptère. Pour l'instant, eh bien, dans cette manche qui oppose le Français au Yougoslave, le Yougoslave qui était presque arrivé à avoir sa pile de 5 vient de perdre un cube. Or, le règlement est formel. Au moment du coup de sifflet final, on comptera le nombre de cubes qui, bien sûr, seront dans les mains du candidat ou dans sa zone de jeu, à moins qu'il n'ait réussi, ce que nous leur souhaitons à tous les deux, de placer la pyramide sur le plot et de grimper sur cette pyramide. Ce que le Français va peut-être réussir, ce que le Yougoslave va peut-être réussir lui aussi. C'est maintenant une course de vitesse, c'est quand même assez exceptionnel qu'entre les deux, avec le vent qui fait. Alors vraiment, c'est un cyclone, c'est le cyclone ici des Moulineaux. Ils ont réussi presque. Il ne reste que 5 secondes, je crois, à 35, heureusement, parce que l'un et l'autre vont être récompensés sans doute de leurs efforts. Ah, c'est dommage, bravo, le Yougoslave a gagné. Le petit Français était presque dessus, il y réussit aussi. Voilà, il a fait une chute spectaculaire. Alors, nous avons pour la Yougoslavie le meilleur temps, effectivement. 1 minute et 31 secondes. 1:31 pour Tchatchak. Et pour la France, 1 minute 37 secondes. Ne souriez pas quand vous me dites ça, Gennaro. Sinon, je souris parce que moi, je souris toujours à Jeux sans frontières. D'accord, on est là pour ça. Qu'est-ce que c'est? Alors maintenant, nous procédons tout de suite à l'envol de la deuxième manche, c'est le cas de le dire. En attendant, le petit signal rouge qui va s'allumer sur la queue de l'hélicoptère et qui nous indiquera que nous avons atteint la bonne vitesse et que le vent est au maximum. On atteint les 3000 tours, voilà. Attention, 3, 2, 1. Un cube. D'ailleurs, c'est plus la peine, vous avez compris. Il y a beaucoup de bruit, vous n'entendez sûrement pas très bien notre commentaire. Alors, je vous laisse regarder ce jeu sans vous l'expliquer. Vous commentez vous-même devant vos récepteurs en disant « Un tel va plus vite, celui, le portugais va mieux que le belge ou vice-versa ». Il faut être vicieux pour trouver des jeux pareils. Tenez un peu, situer le temps. Nous arrivons maintenant à 50 secondes. Il faut vraiment avoir l'esprit tourmenté pour imaginer des jeux semblables où tout ce que l'on construit se démolit. Remarquez, c'est une philosophie que l'on peut tirer de ce jeu. Ça prouve que rien n'est jamais définitif. On peut se demander de quoi ils ont l'air, vraiment. Oui, mais vous savez, quand on se retourne un petit peu dans notre monde, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont emportées par le vent. Voilà.
Ils ont beaucoup de difficultés car ils étaient arrivés tous les deux à 4 cubes et chaque fois le vent les a ramenés à presque à zéro. Cela dit, il y a maintenant une grande chance que Belges et Portugais... Ah non, le Portugais est très mal parti. Il n'en est qu'à 3. Il en est à 5 maintenant, mais il faut monter la pyramide sur le plot, ce que le Belge est arrivé à faire. Alors maintenant, il faut se hisser, ça n'est pas facile, face au vent. Il a le vent debout, et il est debout lui-même. Mais il est arrivé, il a même envoyé un cube dans le camp adverse. On ne leur demande pas de rester très longtemps là. C'est une statue d'une grande fragilité qu'on est en train de vous montrer. Dans limite, malheureusement, par conséquent, pour le Portugais, il y aura 5 cubes de comptabiliser, mais il n'y aura pas le contrat de rempli, c'est-à-dire celui qui consiste à jouer les génies de la Bastille. Les génies de la Bastille extrêmement éphémères, il faut bien le dire, puisque je crois qu'il n'y en a aucun d'eux qui est resté plus qu'un de 3 ou 4 dixièmes de seconde sur son édifice. Oui, moi j'accepte même un centième de seconde. Oh là là, vous avez l'œil rapide, mon cher. Alors, voici le temps pour la Belgique, 1 minute 45 secondes. Alors pour Spa, 1:45. Et pour le Portugal, à la fin des 2 minutes réglementaires, le Portugal n'avait que 5... Regardez cette jolie chute que nous montre ce ralenti. 5 cubes, voilà, c'est marqué. Il est immortalisé pour Jeux sans frontières dans une pose aérienne. On pourrait presque en faire une statue. Cela dit, nous allons maintenant accueillir la troisième manche. L'hélicoptère repart à ses 3000 tours. Et la dernière manche sera disputée par la Grande-Bretagne et la Suisse. Attention, 3, 2, 1. C'est une nouvelle forme de culture physique. Seulement, évidemment, c'est une culture physique un peu coûteuse. Il faut avoir un grand terrain, un hélicoptère, des cubes et surtout des muscles. Vous savez que la partenaire joue un grand rôle aussi là-dedans parce qu'elle doit éviter que les cubes ne quittent la zone de jeu. Ce que fait d'ailleurs fort bien la petite Anglaise, malheureusement. Pour l'instant, les Anglais n'en sont qu'à 3 cubes. Les Suisses également, d'ailleurs. Ouais. Plus je regarde ce jeu, plus j'en tire un enseignement, mon cher Gennaro. Ah oui, je le trouve parfaitement stupide. Non, mais stupide, mais je veux dire stupide dans le fait qu'on est en train de monter une pyramide et que le vent vous la démolit. Je l'ai déjà dit, alors ceci nous amène à tirer la conclusion, c'est que la vie est stupide. Voyez qu'on peut arriver Jeux sans frontières à s'amuser avec 5 cubes, mais évidemment avec un hélicoptère quand même. En tous les cas, je tire ici une petite philosophie, non pas du jeu, mais de la position de Cilly Molino, qui devait impérativement, pour être qualifié pour la finale, arracher une première place, ce qu'a fait l'équipe de Foix, vous le savez, la semaine dernière en Yougoslavie. Ça me paraît maintenant bien compromis pour Cilly Molino, et en tous les cas également bien compromis pour la Suisse. On n'arrive même pas à... Oh, alors là, c'est la grande débandade. Je ne sais pas combien l'équipe de Grande-Bretagne et de Suisse ont réussi à totaliser de cubes, mais ils s'en vont complètement dépités l'un et l'autre. Pour la Yougoslavie, 6 points. Tchatchak augmente son capital de 6. Pour la France, 5 points. Ici, les Moulineaux ne font pas de mauvaises affaires, 5 points. Pour la Belgique, 4 points. Alors, la Belgique, Spa, 4. Pour le Portugal, 3 points. Pour nos amis d'Algarve, qui sont toujours en tête au classement général. Ah non, 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 ils n'y sont plus maintenant. 3 points. Pour la Grande-Bretagne, 3 points. Pour Christchurch, 3. Et pour la Suisse, 1 point. Ben, si nous regardions attentivement un petit peu ce classement général, parce que la fin de l'émission approche, et nous apercevons que maintenant ce sont les Yougoslaves, Tchatchak, qui ont pris la tête, mais alors confortablement, ayant pris 5 longueurs sur Algarve, qui avait pourtant caracolé en tête presque tout au long de l'émission,
Roman Sorn est troisième et ici les Moulineaux a recollé à la roue, il est dans les quatre premiers, il faudrait quand même pour arriver à avoir une place sur le podium passer ou Algarve ou Roman Sorn, mais nous n'en sommes pas là, il reste encore la fin du fil rouge, le septième jeu et le dernier jeu. Alors maintenant nous sommes précisément au jeu qui devrait en principe nous ramener à l'époque de l'aviation. Mais vous savez que dans Jeux sans frontières, nous avons toujours des interprétations très fantaisistes. Alors les avions ne sont là que pour les décors. Et alors, je parlais tout à l'heure d'un jeu qui n'avait ni queue ni tête précédemment, mais dont on pouvait tirer la philosophie, c'est d'ailleurs le jeu dans le vent, où on construit et tout se démolit. Eh bien là, c'est un peu différent. Nos bagagistes vont essayer de se débarrasser des quatre valises que vous voyez actuellement dans leurs enclos. Et les petites hôtesses vont contrarier leurs intentions en essayant de récupérer chacune des valises posées sur les tremplins de descente et les remettre là où précisément les bagagistes ne voudraient plus qu'elles soient. Exactement. Alors, on va essayer. Attention, attention. 3, 2, 1. La France, l'Italie, la Yougoslavie dans cette première manche. Trois hôtesses qui sont là pour contrarier leur projet, c'est-à-dire vider le bac où se tiennent quatre valises. Lorsqu'il n'y aura plus deux valises dans le bac, le jeu sera terminé. Il y en a encore trois du côté de la Yougoslavie, trois du côté de l'Italie. Il n'y en a plus que deux du côté de la France. Terminé pour la France. La valise était arrivée trop tard. La France a fait un temps record. Alors que du côté de l'Italie, toujours trois valises dans le bac. L'Italien est un mauvais bagagiste, il n'aura pas de pourboire. Terminé pour la Yougoslavie, qui a sa dernière valise en main, la petite anglaise, l'hôtesse anglaise, ayant ramené la valise trop tard. En revanche, alors pour l'Italie, ça continue, car l'hôtesse belge lui mène la vie dure. Au fur et à mesure qu'il lance ses valises, elle lui ramène. Là, je crois que malgré tout, nous arrivons à la fin du jeu, il est épuisé, hein, le bagagiste italien. Je ne sais pas si ce n'est pas la valise qui va être plus lourde que lui bientôt. Il n'y arrive même plus à porter la valise jusqu'au sommet, il est complètement épuisé, je crois qu'il va se jeter lui aussi sur le toboggan de désespoir. Ah, non, c'est gagné, puisque finalement, à un certain moment, il n'y avait plus de valise. Mais en tout cas, on a l'Italie, 1 minute 14 secondes. Alors, pour la Nouvelle, une 14. Yougoslavie, 37 secondes. Pour Tchatchak, 37. Et pour la France, 25. Attention! 3, 2, 1. L'hôtesse qui contrarie la Grande-Bretagne est une Française. L'hôtesse qui contrarie notre ami belge est une Yougoslave. Et l'hôtesse qui contrarie le joueur suisse est une Italienne. Petite contrariété pour l'instant. Et voilà, c'est terminé pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne aura réalisé un temps formidable. C'est pas la peine, la petite Française, de vous donner du mal. Il n'avait plus de valise dans son bac, ce qui n'est d'ailleurs malheureusement pas le cas ni pour les Suisses, ni pour les Belges, car la petite Yougoslave et l'Italienne réalimentent avec une constance et une opiniâtreté digne d'éloge les valises au fur et à mesure qu'elles descendent. Elles passent par-dessus leur sandaux, car vous avez remarqué qu'elles ont quand même un trajet où il y a un petit sandaux pour les empêcher d'aller trop vite. Et à chaque fois qu'une valise descend, elle leur met. C'est désespérant ce jeu. Il y a de quoi attraper quand même un coup au cœur. Être terriblement contrarié. Les amis vont certainement avoir une crise deux fois après ce jeu. Enfin, ceux qui jouent les bagagistes. Ah, là, ça va être terminé pour le Belge. Il n'y a plus de valise dans son bac. En revanche, alors, pour ce qui est de la Suisse, il y a presque toujours quatre valises, autant qu'au départ. Non, il y en a trois. Oh là, il peut toujours regarder d'un œil désespéré le bagagiste suisse, le tonneau des Danaïdes. Il arrive à mettre même plus ses valises sur son toboggan. C'est une très mauvaise performance. Le pourboire sera infiniment léger. Nous allons parvenir au temps limite. Ce sera, à mon avis, terminé. Pourquoi en faire jouer le Belge? C'était terminé pour le Belge. Ou alors c'est un monsieur qui aime grimper à l'échelle. Une grenouille. J'ai l'impression que ce soir, notre candidat suisse n'invitera pas à dîner la petite Italienne. Et voici le temps record. La Grande-Bretagne, 17 secondes. Eh bien, dites donc, si vous allez dans les aéroports anglais, vous y rencontrerez les bagagistes les plus rapides du monde. Voici le classement de ce jeu. On a la Grande-Bretagne, 6 points. Alors, pour Christchurch, 6.
La France, 5. Ici, les Moulineaux, 5. La Yougoslavie, 4 points. Tchatchak, 4. La Belgique, 3 points. Spa, 3. L'Italie, 2 points. La Nouvio, 2. Et la Suisse, 1 point. La Suisse, 1 point. Alors écoutez, je ne sais pas si vous rencontrerez des bagagistes et des hôtesses de l'air semblables dans vos prochains déplacements. Je ne vous le souhaite pas. Je vous souhaite bon voyage. Ce voyage que notre ami Guido est en train de faire de ce jeu jusqu'au dernier fil rouge qui va marquer une étape particulièrement importante dans ce jeu. Car je ne serais pas étonné si la France garde la première place au classement général de ce fil rouge, qu'elle remonte peut-être, sinon à la première, du moins à la troisième ou à la deuxième place. Alors Simone, nous sommes à le temps. Attention, 3, 2, 1. Oui, effectivement, la France avait fait 41 secondes tout à l'heure, mais je vous rappelle que la Belgique avait réussi 42 secondes. Et j'ai l'impression que pour le quatrième fil rouge, vraiment tout le monde fait le maximum. Et c'est la Belgique qui est déjà là-haut. Non, la France là-haut. Oh, la France qui a alors une avance considérable. Regardez ça, il est porté par les ovations du public d'ici les Moulineaux, pourvu qu'il ne tombe pas en avant. C'est ce qui est arrivé à l'Italien, c'est ce qui arrive au Yougoslave. Tandis que le Portugal penche dangereusement, que l'Angleterre arrive avec la musette sur le bout du nez et que la Belgique n'arrive plus à revenir. La France, si j'ose dire, dans un fauteuil. Écoutez ces ovations, c'est bouleversant, des milliers, 10 000 voix. Tandis que, vous l'avez vu, c'est une tragédie qui se joue sur le terrain en ce moment, avec la Grande-Bretagne et le Portugal qui se sont télescopés, chaque jeune fille se précipitant à l'eau, se jetant à la mer pour sauver son bien-aimé. Oh, le dévouement de ces petites est tout simplement bouleversant. Regardez ça, elles essayent de les relever. Ça se passe également pour l'Italie. Vous avez aperçu la tête du jeune Anglais, une tête blonde et bouclée. Bon, c'était en tête, mais 47 secondes. Alors, 47 secondes, on a fait tellement mieux. Oui, la Suisse, 51 secondes. Elle a fait tellement mieux également. Pour la Yougoslavie, 1 minute 16. 1 minute 16. Pour la Belgique, 1 minute 19. 1 minute 19 pour la Belgique. Donc, c'est un fil rouge, si je comprends bien, qui ne compte pas. Et il ne comptera pas. Et les trois autres équipes sont dans leur bain. Elles sont dans le bain. Elles restent dans le bain. Elles restent dans le bain. Nous en restons donc à la liste des temps que nous avions précédemment. Et tout le monde soulagé, à ici les Moulineaux, constate que nous avons gardé la tête pour ce fil rouge. Ce qui fait, Gennaro. Alors, voici tout de suite les points. Pour la France, 7 points. Alors, ici les Moulineaux, 28 et 7, 35. Et voilà les 35 points qu'on attendait. Pour la Belgique, 6 points. 6 points, 29. Pour la Suisse, 5 points. Roman Schoen, 5, 30. Pour la Grande-Bretagne, 4 points. Christchurch, 4. Pour la Yougoslavie, 3 points. Tchatchak, 3. Pour l'Italie, 2 points. Pour la Nouvio, 2. Et pour le Portugal, 1 point. Et l'Algarve, 1 point. Ce qui nous fait, Tchatchak, évidemment, avait 35 tout à l'heure, reste en tête avec 38. Mais ici, les Moulineaux revient très fort. À 3 points du premier, 35 pour ici, les Moulineaux. Troisième position, nos amis suisses de Romanshorn, 30. Spa, Belgique, 29. L'Algarve, Portugal, 27. Christchurch, la Grande-Bretagne, 20. Et enfin, la Nouvio, 20 points. Maintenant, dernier jeu, tout le monde participe. À ici les Moulineaux, il y a 3 gares, m'a-t-on dit. Et pour Jeux sans frontières, on inaugure ce soir la nouvelle gare de l'Europe. Et oui, Simone, et cette bataille à laquelle nous venons d'assister va se terminer par la bataille du rail. On peut toujours se demander d'ailleurs si nous sommes sur la bonne voie quand on fait ces jeux. Mais avoir l'enthousiasme de tous nos amis ici à Essy-les-Moulineaux, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Cette voie, en tous les cas, que j'arpente n'est pas celle d'un TGV, rassurez-vous. Tout à l'heure, vous aviez une panne d'essence. Nous avons eu une panne de bagagistes, une grève des hôtesses. Nous avons eu tout ce que nous pouvions et des chutes et même des chevaux qui se sont agenouillés. Eh bien, ces petites locomotives qui vont faire rêver tous les enfants d'Europe, regardez comme elles fument agréablement, hein ? Et pourtant, c'est interdit de fumer ici. Mais cela dit, elles sont là, elles vont participer à cette dernière rencontre.
et elles sont privées de charbon, bien qu'elles fument. Et vous allez voir pourquoi elles sont privées de charbon, parce que nous venons d'inaugurer ce soir un nouveau moyen de locomotion, bien qu'il se passe sur des rails, c'est le home trainer des locomotives. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir comment mécaniciens et mécaniciennes font avancer leur propre locomotive. Qui va gagner? J'ai l'impression que ça va crier très fort, puisque tout se joue pour la première place, pour la France à 3 points. Oui. Attention, 3, 2, 1. L'épreuve se joue en 3 manches, en 3 allers-retours, c'est-à-dire une première ligne droite. Puis après, il faudra revenir en arrière, et ce sera la dernière ligne droite qui décidera de la victoire. Dans cette fumée où on ne voit plus rien, je peux vous dire que la Yougoslavie et la France, qui sont à l'extrême droite, occupent une place assez intéressante, mais c'est l'Italie qui est indiscutablement en tête et qui touche le butoir en tête. Le retour maintenant, premier retour, roue dans roue, la France. La Yougoslavie, l'Italie toujours en tête, la Grande-Bretagne n'est pas loin, la France est en train de se faire distancer. La Belgique et le Portugal sont les derniers pour l'instant. Les pieds de nos chauffeurs, de nos mécaniciens patinent, font de la trottinette sur les roues pour les faire avancer. Il peut y avoir une certaine fatigue. C'est tellement vrai que dans cette dernière ligne droite, les positions se renversent. L'Italie perd la première place actuellement au profit de la Grande-Bretagne. Roue dans roue, c'est la Yougoslavie qui a une petite longueur d'avance. La France est en train de perdre actuellement le bénéfice de son effort. Et c'est certainement une quatrième place pour la France. Une première pour la Yougoslavie. Une deuxième pour la Grande-Bretagne. Oui, c'est Tchatchak qui gagne. Deuxième, Christchurch anglais. Troisième, l'équipe de l'Italie, Lanuvio. Quatrième, la France, c'est pas sûr encore parce qu'ils finissent complètement épuisés. La France est quatrième. Les cinquièmes seront nos amis de Romansand, c'est-à-dire la Suisse. Sixième, la Belgique. Et j'ai dû probablement oublier, non, je ne l'ai pas oublié, elle arrive complètement à l'extérieur. Le Portugal sera dernier. Pour le classement, première la Yougoslavie, la Grande-Bretagne, deuxième place. Italie, troisième, France, quatrième, Suisse, cinquième, Belgique, sixième et Portugal, septième. Voici les points, Guy. Pour la Yougoslavie, 7 points. Alors, Tchatchak marque 7. Pour la Grande-Bretagne, 6 points. Pour Christchurch, 6. Pour l'Italie, 5 points. Pour Lanuvio, 5. Pour la France, 4 points. Pour ici, les Moulineaux, 4 points. Pour la Suisse, 3 points. Romansand, 3. Pour la Belgique, 2 points. Spa n'a que 2 points. Et pour le Portugal, 1 point. Eh bien, le Portugal qui tombe de bien haut, puisqu'ils ont été en tête une grande partie du parcours et qu'ils ne se retrouvent au classement général final qu'à sa cinquième place. Ce classement général, le voici donc, vous l'avez sur vos écrans, mes téléspectateurs d'Europe. Eh bien, Tchatchak, avec 45 points, l'emporte. Tchatchak qui probablement s'est octroyé ce soir une place pour la finale en Italie. En revanche, ici, les Moulineaux avec 39 et une deuxième place ne coiffent pas Foix, qui a gagné la semaine dernière en Yougoslavie avec 47 points. On peut applaudir unanimement toutes les équipes en donnant rendez-vous la semaine prochaine dans cette belle région du Tessin, je crois, en Suisse. Oui, à Tesseret. À Tesseret. Eh bien, voilà, Simone, remettez les trophées. Monsieur Santini remet la coupe à l'équipe gagnante, Tchatchak. Et célèbre pour ses trompettes, aura droit aux trompettes de la renommée. Merci à ici les Moulineaux, ville d'Europe. Merci au délégué des sports, monsieur Calmel, adjoint de monsieur Santini, le maire. Bonsoir à tous.